Le jeûne est un excellent remède pour nous les humains. J'avais dit qu'en 5 vidéos, nous parlerons des vertus thérapeutiques du jeûne. Alors nous sommes à la 5e et dernière vidéo. Alors nous nous poserons la question de savoir comment le jeûne est un remède pour nous les humains. Bienvenue à Objectif Santé, la chaîne qui vous permet de connaître et de reconnaître l'ensemble des maladies courantes, leurs modes de contamination, le protocole thérapeutique naturel et surtout les astuces pour s'éloigner de toutes ces maladies. Je suis moi, Docteur Nature, je vous fais découvrir l'ensemble des professions de la santé qui vous permettra à vous de vivre heureux et surtout, ce que ça intéressera, de faire de vous d'excellents praticiens de la santé. Vous pouvez devenir des naturothérapeutes qui vont soigner à partir des éléments de la nature, l'air pur pour une respiration et une relaxation, l'eau potable pour une hydratation ou une réhydratation, ça permettra de faire apaiser vos éléments stressants. Ou vous pouvez vous servir des rayons solaires pour vous recharger. Ou bien, vivre en phase avec la mère Terre. Nous sommes faits de terre et nous retournerons à cette terre. Et je vous propose l'ensemble des alicaments produits à nos différents laboratoires qui permettrait à ceux qui ont perdu un tant soit peu l'état de santé de les recouvrer en gardant l'intégrité physique de leur corps. Alors, allons-y savoir pourquoi on dit que le jeûne est un excellent remède. Pour jeûner, il faut se préparer. Dans les 4 vidéos qui ont précédé, ça a servi à ce qu'on se prépare jusqu'à aujourd'hui. Donc vous êtes obligé, vous qui écoutez pour la première fois, d'aller viser les autres vidéos qui vont parfaire votre compréhension de ce que nous dirons. Pour ceux qui mangent au réveil, tels que les musulmans, quand vous vous levez, mangez des nourritures dont la digestion n'excelle pas 3 heures de temps. Prenons un exemple simple. Vous avez mangé à 4 heures du matin. Ce que vous aurez mangé à 4 heures du matin, vous avez 5 heures, 6 heures et 7 heures. 3 heures de temps après, au réveil, avant même d'aller au travail, vous avez fini de tout digérer. Donc, votre estomac est vide. Qu'est-ce qui se passe quand votre estomac est vide? Quand vous êtes en train de digérer, toutes vos énergies, tous les policiers, les gendarmes, les douaniers, les militaires qui sont dans votre corps, qui sont le système de défense, sont vont tapisser tout le long de vos tubes digestifs. Toutes vos énergies viennent en appoint pour que vous puissiez faire votre digestion. Et si vous devez digérer pendant 12 heures de temps, ben imaginez un seul instant que toute l'armée d'un pays est cantonnée dans un seul coin. Même les filous en ville seront à l'aise. Les petits voleurs, les pickpockets, ils seront à l'aise. Parce qu'ils savent que les policiers, les douaniers, les gendarmes sont à la frontière. Donc ils peuvent se permettre de casser les portes aisément sans être inquiétés. Et c'est ce qui se passe dans vos vies. Si vous avez digéré en 3 heures de temps, comme il n'y a plus de travail au niveau du tube digestif, il n'y a rien à digérer, premier élément, votre intestin commence son repos. Votre tube digestif commence son repos. L'estomac se repose. Et tous ces militaires, policiers qui étaient là, retournent et vaquent à d'autres occupations. Mais qu'est-ce qu'ils feront s'ils ne sont pas en train de vous assister à digérer? La première des choses, ils vont extirper tous les filous, les voleurs, les pickpockets, les piqueurs là, dans la société. Donc vos systèmes de défense vont enlever tous les éléments inutiles de votre corps. Première étape. Quand ils auront fini d'enlever cela, le processus de désintoxication commence. Deuxième étape. Tout ce qui est toxique,
qui est présent, qui est inutile et qui vous alourdit inutilement, les graisses inutiles vont commencer à fondre. Et quand elles vont finir de se fondre, les cellules mortes, les cellules inutiles, les cellules malades vont être digérées par les cellules bien portantes. Troisième étape, vous allez commencer maintenant votre cure de désintoxication. Elles vont manger les graisses inutiles, les cellules mortes pour pouvoir vivre parce que vous êtes en train de jeûner et la cellule ne veut pas toucher à vos réserves qui sont cantonnées dans vos ribosomes. Et quand ils finiront de manger ces corps étrangers, inutiles de votre corps, le troisième processus commence. Ce qui est de réparer les cellules endommagées. Donc pendant que vous êtes en jeûne, l'organisme qui est au repos commence à sillonner, circuler la ville qui est votre corps et puis ils vont réparer les tuyaux cassés, les fils coupés, nettoyer, curer les caniveaux de votre corps. Et le nettoyage, c'est le cure de désintoxication. Le quatrième élément, c'est amener les cellules qui ont vieilli, qui sont plus importantes, de commencer leur reproduction. Ah, dans le jargon médical, on appelle ça la méiose pour nos cellules sexuelles et la mitose pour les autres cellules. Donc vous allez vous renouveler si vous êtes en jeûne. Et ça, c'est la quatrième étape. Et si, après votre jeûne, vous partez au rompre avec les fruits et les légumes qui sont la vie, ça, retenez ça, la vie ne donne que la vie, la mort donne la mort. Si tu as fait cuire, tu as tué, tu as fait cuire et que tu as mangé, tu te leurres, ça ne te donnera pas la vie, ça va te faire avancer vers la mort. Et pour te faire avancer vers la mort, les maladies des générations vont s'installer. Tu vas commencer au début, tu fais des maladies chaque 3 mois, après tu vas les faire chaque 2 mois, après tu vas les faire chaque 1 mois, après tu vas les faire pratiquement tous les jours, parce que c'est la mort que tu utilises. Quand vous avez fini de sortir de vos jeûnes, vous allez consommer des fruits et des légumes. Vous allez avoir tous les nutriments dont l'organisme a besoin pour vous revitaliser. Donc, dans un jeûne bien fait, on sort en pleine santé. C'est un état du bien-être physique. Mesdames et messieurs, nous allons continuer à vous ressortir les éléments qui sont affiliés à jeûne, surtout la nutrition. Mais en attendant, vous avez su que ce que vous mangez, c'est ce qui fait de vous. Vous devenez ce que vous mangez. Si vous mangez la mort, vous vous tuez. Si vous mangez la vie, évidemment, vous allez vivre gracieusement. Merci d'avoir cliqué sur s'abonner si vous venez pour la première fois. Et surtout, regardez, visez les autres vidéos qui vont vous permettre la compréhension de ce dernier. Et cliquez sur la cloche qui va vous informer des autres vidéos qui viendront. Notamment, la prochaine vidéo, nous vous disons, les microbes étaient nos amis. C'est nous les humains qui les avons agressés et ils sont en train de nous contre-attaquer. Comment ? Ça, nous le saurons dans la prochaine vidéo. Mais en attendant, j'attends votre commentaire pour me permettre de me parfaire. Et surtout, un petit j'aime qui va m'encourager dans mon choix de vous aider à vous porter mieux. Pour ceux qui ont des problèmes particuliers, qui cliquent sur le lien de WhatsApp en bas, ils m'écrivent les textes. Je vais les répondre avec beaucoup de joie. En attendant, pour la prochaine vidéo, où nous allons affirmer que les microbes étaient nos amis et que c'est nous les humains qui les avons agressés, je vous souhaite de vous porter mieux. À la prochaine vidéo.